rappelle des soirs où je le croisais pété. C'est que quand des gens les mis aujourd'hui tété. Des fois je pense que somme du bif sous ma tête. Reste te coupe la jambe pour le bruit du Audi TT. Quand ça parle en perte, dans tous les états. Descendre de keuf, ils ont fouillé tous les étages. J'ai compris la douille, je regarde tous ces tétards. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout simplement un tout nouveau mode menu comme d'habitude. Juste avant de commencer la vidéo, merci pour les 12 000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. On avance de jour en jour et bah voilà, ça me fait trop plaisir. En tout cas, voilà, pour cette vidéo, on va faire un objectif de 200 likes, voilà. Imaginons, toi, t'es le 30e like, quand tu mets un pouce bleu, bah, n'hésite pas à me faire savoir t'es le combien-tième like. Bah, tout simplement en commentaire et je mettrai un cœur, je répondrai sûrement à ton commentaire. Et voilà, juste avant de commencer la vidéo aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, voilà, on est 728, ça fait super plaisir. Voilà, on peut parler, enfin, avec les abonnés et tout, donc voilà, c'est assez cool. Donc si vous voulez rejoindre, bah, lien en description, Snapchat, Instagram, Twitter, tout ça c'est en description comme d'habitude. Et voilà, donc aujourd'hui surtout pour le mode menu Shadow, il est sorti très récemment. Donc voilà, juste avant vous devrez tout simplement avoir WinRAR. Donc WinRAR c'est très simple, vous le téléchargez, il y a le lien aussi en description. Vous cliquez sur le bouton bleu télécharger ici, et là vous recliquez sur télécharger WinRAR. Le lancement va se faire, bon évidemment moi je l'enlève parce que j'en ai pas besoin, parce que je l'ai déjà, mais bref. Après, une fois que vous aurez tout simplement télécharger WinRAR, vous allez dans la description et le tout premier lien c'est celui-ci. Vous arrivez dessus, vous devrez faire cliquer ici sur le bouton bleu. Là il y aura un canal, en gros vous pourrez pas accéder au menu. En fait vous serez quoi? Vous serez obligé de vous abonner à ma chaîne. Après vous désabonnez si vous voulez. En tout cas voilà, faut s'abonner. Bon moi je peux pas m'abonner et ça n'est pas de canal justement, c'est déverrouillé d'office parce que c'est ma chaîne, mais ils savent, ils ont détecté que c'est ma chaîne. Du coup je peux pas m'abonner à la mienne moi-même, du coup c'est logique. Bref, une fois que vous êtes abonné, vous revenez sur la poêle, vous faites cliquer ici, ça sera déverrouillé comme moi. Là vous arriverez sur un lien méga. Donc voilà, donc là, hop et là, il est installé. Donc là, tout simplement, dans les téléchargements, on peut le glisser sur le bureau. Tout simplement, si ça vous le supprime et ça vous dit que c'est un virus, c'est normal, faut désactiver son antivirus. Parce qu'en fait, il est détecté comme un virus, parce que quand vous jouez, pour ajouter un mode menu, ça modifie les fichiers de GTA. Mais comme modifier les fichiers d'un jeu, et en plus GTA, comme c'est très connu, bah, comme c'est interdit, c'est pour ça que c'est détecté comme un virus. Du coup, je conseille de, quand même, si ça vous le supprime, vous allez dans la barre de recherche, vous marquez Windows Defender. Vous marquez sécurité Windows et vous irez dessus, vous irez ici dans gérer les paramètres et là vous désactivez la première case si ça vous supprime. Après si ça vous supprime pas, bah laissez-le ouvert, mais voilà, si ça vous supprime vous savez quoi faire. Donc là on se retrouve tout de suite, on change juste de gameplay parce qu'en gros j'ai pas GTA, du coup je pouvais pas vous faire voir comment l'injecter. En gros fallait lancer le jeu pour l'injecter, du coup moi, comme je l'ai pas je peux pas parce que je dois le réinstaller. Bref, du coup je mets le gameplay mon pote et un grand merci à lui et voilà, on se retrouve tout de suite sur l'autre gameplay. Donc voilà, donc là vous allez ouvrir tout simplement le fichier WinRAR. Le dossier, tout simplement, vous allez le mettre sur le bureau. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez double-cliquer dessus, tout simplement, vous allez l'ouvrir. Le premier fichier, faut évidemment faire comme dans la vidéo, faut le glisser dans le deuxième, c'est très important, sinon vous va manquer des trucs. Là, vous devrez bien ouvrir votre jeu. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exécuter, bah, tout simplement, l'injecteur. Une fois que vous êtes dedans, vous allez tout simplement cliquer « Entrer » dans l'injecteur. Et là, vous allez voir qu'une autre fenêtre va se mettre et là, le mode menu sera injecté. Donc voilà, moi, je vous laisse en accéléré et en musique simplement pour vous présenter le mode menu. La touche pour l'ouvrir, c'est soit F4, soit F8, soit l'étoile. Et voilà, c'était ce que là. Et bon visionnage.